Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, on va faire la différence entre le Wi-Fi, Bluetooth et le NFC. On va commencer par le Wi-Fi. Donc, comme vous le connaissez tous, voilà le symbole du Wi-Fi. Donc, il y a plusieurs normes du Wi-Fi qui sont utilisées depuis plusieurs années. Donc, les avantages, c'est la portée, le débit et la sécurité. Le standard Wi-Fi s'est imposé comme la référence en matière de technologie sans fil est envahie notre quotidien avec une portée de plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres en extérieur et un transfert d'informations à haut débit. Le Wi-Fi se montre fiable, stable et sécurisé. Le Wi-Fi est une véritable alternative au réseau de données mobiles. Si vous disposez d'une box ou d'un hotspot à proximité au lieu où vous vous trouvez, vous bénéficiez d'un réseau de très haut débit avec notamment de la sécurité élevée. Le Bluetooth est une technologie sans fil de proximité, à la portée limitée à quelques mètres seulement, 10 à 15 mètres maximum, et au débit plus faible que le Wi-Fi. Inventé en 1994 par Ericsson, le Bluetooth permet à deux appareils de communiquer très facilement entre eux, mais ça reste une technologie très importante et très utile. Par exemple, ça sert à communiquer entre votre casque, par exemple, un kit main libre, et votre téléphone, ou bien votre bracelet connecté, smartwatch, etc. Donc, ça consomme pas beaucoup d'énergie et aussi c'est très simple à connecter les objets connectés. Le NFC équipe un nombre croissant de mobiles. La technologie Near Field Communication possède un portée très limitée de quelques centimètres seulement et un faible débit. Le NFC permet de faire interagir deux appareils entre eux ou de faire converser un appareil avec un élément passif non alimenté en énergie. Encore peut répondre, le standard NFC offre de nombreuses fonctionnalités dans un futur proche et ça vous permet de faire plusieurs opérations. Par exemple, le cas aujourd'hui, c'est que on peut faire des paiements avec la technologie NFC. Donc, pour un petit résumé, les différences entre NFC, Bluetooth et Wi-Fi sont nombreuses. Les trois technologies ne répondent pas au même usage et s'avèrent donc complémentaires. Donc, vous devez donc choisir un téléphone portable qui porte les technologies sans fil dont vous aurez besoin, ou bien vous pouvez regrouper l'ensemble de ces technologies pour les utiliser ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!